Alors l'idée c'est qu'en bordure de gouttière, on a un tonneau, un récipient, peu importe lequel, et c'est cette eau de pluie. Comment est-ce qu'on amène l'eau de pluie dans la cuve? Manuellement, c'est rigolo si on est un petit peu dans une maison, dans une cabane, dans les bois, à l'écart de toute technologie. Ça peut être assez sympa qu'un bout de tuyau. Mais sinon, je pense que ce qui est sympa, c'est d'utiliser une pompe comme celle-ci. C'est une pompe 12 volts. Alors pourquoi 12 volts? Parce que elle consomme presque rien. Voilà, des pompes en 220, il en existe plein, mais c'est vite 50 watts, 100 watts, 200 watts. Là, une pompe comme ça, ça coûte 10 euros. Hein. Elle fait 5 watts seulement. Et vous allez voir, en une minute, elle vous remplit le toilette voilà. Hop. Alors bien sûr, il faut un bout de tuyau que j'ai pris là. Donc il y a des systèmes tout faits, mais c'est pour ça que je fais des tutos. J'essaie de montrer aux gens qu'on peut commencer avec quelque chose qui coûte 10 euros, puis si on en est satisfait, bon, on peut en mettre un petit peu plus, 20 ou 30 euros, avoir du matériel un petit peu plus fiable, mais sinon ce n'est pas la peine tout de suite de partir sur des projets immenses, et du coup c'est parce que ça coûte cher qu'on ne démarre pas. Voilà. Là vous achetez une pompe, un bout de tuyau, et c'est parti. Donc là c'est un petit transformateur 220-12 volts, et quand je le branche, voilà. Je ne sais pas si on vous entend. Alors, je vais l'éteindre pour que vous... Comme il y a du bruit. Voilà. Alors, une pompe comme ça, ça monte l'eau à 3-4 mètres d'hauteur, donc c'est pas un souci. Vraiment, c'est pas... Et c'est 5 watts. C'est vraiment, vraiment pas grand-chose. Voilà. Non, 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 c'est une pompe pour panneau solaire, donc elle peut même monter à 100 degrés. Voilà, on peut mettre de l'eau à 100 degrés et ça pose pas de souci. Alors... Il y en a un, donc quand je branche ça, je remplis la cuve. Alors normalement, il y en a un qui me dit, ouais, mais vous êtes gentil, mais on fait comment quand la cuve est pleine? C'est ça? C'est non? La question, c'est où est-ce qu'on fait pour des panneaux solaires, on achète ça où? Ben, sur Internet. Pompe solaire, 12 volts, et puis voilà. J'ai pas mis le lien, excusez-moi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous faudrait pour que cette cuve-là s'arrête de se remplir? Parce que sinon ça va déborder et puis ça va être la catastrophe. Un flotteur, tout à fait. Alors un flotteur, alors j'ai même mieux qu'un flotteur. C'est un flotteur, mais c'est un flotteur qui fait interrupteur en même temps. Alors c'est pas très très compliqué. C'est un petit aimant dans un flotteur. Et quand il y a trop d'eau, poc, ça, le flotteur monte, entraîne l'aimant et ça coupe l'eau. Voilà. Donc je vais démonter ça. On va l'installer tranquillement. Heureusement que j'ai mis une réserve derrière. Alors, je vais vous le montrer quand même. Parce que quand j'aurai mis tout dans la boîte, vous me direz, ouais, ça marche, on voit que ça marche, mais on n'en est pas sûr que ça marche bien. Voilà. Donc, pour brancher l'interrupteur, on fait un peu d'électricité, c'est bien aussi. On coupe juste un fil. Un des deux fils qu'on envoie à l'interrupteur et le retour de l'interrupteur, on le branche dessus. Voilà. Voilà. Donc ça demande l'interrupteur, mon flotteur qui est en haut, et quand ça baisse, ça marche pas. Ça marchera mieux quand j'aurai branché le jus. Voilà. On entend, ça coule. Quand ça sera plein, voilà, on voit le tuyau qui descend. Donc je vais installer ça tranquillement à l'intérieur. Alors j'ai fait un petit système. Je pense que vraiment pour tester, c'est pas la peine de faire quelque chose de beaucoup plus complexe. Donc il y a un petit fil de fer qui suspend ce flotteur, cet interrupteur flotteur. Voilà, hop. Et on va le laisser tourner. Et quand ça sera plein, ça va s'arrêter. Voilà. Alors, on va avoir un autre problème. De la même façon que quand c'est plein, il faut que ça s'arrête. C'est quoi l'autre problème qu'on risque d'avoir?
Et c'est quand c'est vide. Voilà. Alors il nous faut la même chose, n'est-ce pas? Oui. C'est un autre flotteur. Alors c'est le même flotteur. Alors le flotteur, pareil, ça se trouve sur Internet. Celui-là, je l'ai payé 1 euro. Alors pour 1 euro, j'en ai pris 2 et j'ai bien fait parce que du coup, je m'en sers de 2. On peut demander à des amis qui ont Internet, c'est ça aussi le partage, les amis. D'un côté, on économise de l'eau, et de l'autre côté, Internet, ça consomme de l'électricité. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas fabriquer en France des choses comme ça, pour 1 euro, et le trouver dans un magasin? C'est pas mon problème. Je le déplore, je trouve ça insupportable. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on habite dans la Chine et que le transport ne coûte même pas 10 centimes pour le faire venir de Chine? C'est insupportable, mais je ne peux pas m'en occuper. Voilà. Mais je suis tout à fait d'accord. J'ai pas cherché, et à mon avis, alors on pourrait le trouver, il faudra le payer 20 euros, et il viendra quand même de Chine. Voilà. Alors, déjà, eux, ils auront aussi utilisé Internet pour y aller, ça aura aussi consommé, ils auront aussi consommé pour le transporter, ils l'auront stocké pendant des mois dans leur magasin, sous gros lampadaire, ou climatisé et chauffé, et vous allez l'acheter 20 euros. Alors moi, je préfère 1 euro en Chine. C'est pas bien, mais je comprends pas pourquoi on ne le fabrique pas en France. Voilà. Et pour les panneaux solaires, on va le voir tout à l'heure, c'est le même problème. Voilà. Alors là, ça s'est déjà éteint, oui. Nickel. Alors, donc on met un interrupteur aussi, qui est au fond, et lui, quand... Le flotteur, il a un aimant, et quand on inverse l'aimant, alors pour 1 euro, c'est malheureux, mais il fonctionne à l'envers. C'est-à-dire que quand c'est vide, poc, ça éteint. Voilà. Donc j'ai un petit support comme ça. Hop. Et je suspends l'interrupteur. Et alors les deux interrupteurs vont m'être mis en série, l'un derrière l'autre. Ce qui fait qu'il faudra qu'il y ait deux conditions pour que ça marche. Il faudra un, qu'il y ait de l'eau dans le réservoir, et il faudra aussi que la cuve soit vide. Voilà. Alors vous allez me dire, c'est sympa ton histoire dans la baie, mais de la même façon que ça utilise Internet, là, j'utilise, pour que ça fonctionne, il me faut une centrale nucléaire, n'est-ce pas? Oui, ben, je suis sur 220. Et vous allez dire, Barnabé, tu bricoles, tu fais ça pour tout le monde. Franchement, on est un petit peu déçus. Alors, je pensais que vous le poseriez comme question. Du coup, j'en ai profité pour amener quelque chose qui fonctionne très bien, que j'ai récupéré. Alors, c'est du recyclé. C'est une batterie de voiture, enfin une batterie de moto. Et je voulais vous montrer comment... Qui c'est qui a appuyé sur la chaise ? Ah mais c'est que j'ai pas branché ça bien comme il faut. Donc c'est le trop-plein qui a fonctionné. Voilà. Hop, ça part. Toc toc. Voilà. Hop. Alors, est-ce que j'ai perdu ce que je cherchais? Non. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on recharge une batterie recyclée comme celle-là avec un petit panneau solaire comme ça? Alors, la même remarque est très bonne. Vous avez aussi acheté ce panneau? Alors, j'ai acheté sur Internet, effectivement. Est-ce que vous pensez que je l'ai acheté en Chine? Ben non, j'ai acheté en Chine, mais ils ne l'ont pas envoyé. Ils m'ont dit qu'ils s'étaient perdus en chemin. Donc je l'ai quand même payé, mais je ne l'ai jamais reçu. Alors c'est une vraie histoire en plus. Du coup, j'ai demandé partout en France pourquoi est-ce que je ne pourrais pas trouver un panneau solaire. Et on m'a dit que ça ne se recyclait pas bien, que ce n'était pas fiable, alors qu'il s'est garanti 25 ans. Je n'ai pas bien compris l'idée. Mais du coup, j'ai dû aller sur Internet et je l'ai acheté en Italie. C'est le comble quand même. Voilà. Alors, pour charger un panneau solaire, on utilise ce qu'on appelle ce tout petit truc-là, qui lui vient de Chine. Ah mais non, c'est comme ça. J'ai cru, alors je ne sais plus pour quelle histoire, il faut...
Il y a un outil qu'on utilise assez souvent, et en fait, quand on regarde, je crois que c'est pour téléphoner. Il faut 56 000 corps de métiers différents pour arriver à faire un téléphone. Les gens qui ont fait les composés, le plastique, le gars qui a extrait la mine, voilà. Donc, entre autres, il y en a même pour les lunettes, le verre, il y a des millions et des millions de technologies qui ont été faites avant et développées pour ça. Donc, le régulateur est un petit appareil électronique qui coûte une poignée d'euros. Voilà. Et il va indiquer, il va permettre au panneau solaire, ça c'est un panneau solaire de 10 watts. 10 watts, 10 euros. Voilà. En France, c'est plutôt 2 euros le watt. Voilà. Ça coûte quand on veut en acheter. Donc on branche la batterie sur ce petit régulateur-là, et l'énergie qui va tomber sur le panneau va être transmise à la batterie. Mais les batteries comme ça, elles n'aiment pas être trop chargées, ni trop déchargé, donc c'est ce petit appareil qui va permettre de le faire. Voilà. Donc on branche d'abord la batterie sur le régulateur. Hop. Et on voit qu'il y a 12,2, enfin je vois en tout cas, il y a 12,2 volts. Et après on branche le panneau solaire. Voilà. Et ça fonctionne comme ça. Voilà. Alors après, l'idée c'est qu'il faut brancher la pompe dessus. Et ça tombe bien parce que comme c'était une pompe en 12 volts et que ma batterie est en 12 volts, ça va bien marcher. Super. Alors vous allez me dire, c'est sympa Barnabé, mais en même temps ton truc là, tu fais comment pour aller aux toilettes la nuit? C'est qui a dit la nuit? Très bien. Effectivement, là ça serait dommage. J'ai pensé que vous le diriez. Du coup, j'ai amené quelque chose qui est encore mieux que la Chine. C'est une petite lampe IKEA que j'ai installée chez une dame qui l'avait achetée il y a 2-3 ans. Et je lui avais dit, mais t'as pris avec pile, c'était pour alimenter une cuisine, vous savez. Je lui ai dit, mais t'as pris avec des piles, c'est quand même... ça va être compliqué. Mais non, t'inquiète pas, je changerai les piles régulièrement. Je l'ai revue il y a 15 jours. Elle avait un autre bandeau, elle m'a dit, tu ne pourras pas mettre un bandeau avec un fil, parce que là, les piles, j'ai chargé 5 fois, ça me gonfle, voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi ils continuent à en fabriquer avec des piles, et du coup, j'ai dit, moi, je le récupère, ça m'intéresse volontiers, je suis sûr, je vais m'en sortir. Alors, j'ai regardé avec mon fiston, et on a vu que c'était 3 piles mises en parallèle, du coup, 3 piles fois 1,5 V, ça fait exactement 4,5 V, et ça tombe bien parce que sur ces petits régulateurs-là, eh bien, on a une sortie USB en 5 volts. Voilà. Du coup, sans rien changer, je vais pouvoir, la nuit, voilà. Je vais pouvoir aller aux toilettes tranquillement la nuit pour lire, ça sera quand même plus pratique. Alors, vous allez me dire, il y en a qui le matin aiment bien aller aux toilettes à l'aube et ils ont besoin de quelque chose, une dose importante Qu'est-ce qui manque là? Alors la lecture, pourquoi pas, mais il manque, je trouve, surtout quelque chose. Un peu la musique, oui, mais les mauvaises nouvelles du matin. La bonne publicité et les mauvaises nouvelles du matin. Alors, je ne vais pas vous les mettre, mais là c'est pareil, ça fait longtemps que je l'ai acheté celle-là. Là, il y avait 4 piles. 4 piles, c'est 6 volts. Et ben, ça marche très bien aussi en 5 volts. Donc ça fait longtemps que celle-là n'a plus de batterie. Et voilà, je ne comprends pas pourquoi on vend des appareils qui sont encore sous batterie, alors qu'on peut tirer des fils, on peut tirer des batteries qui sont plus multiples. Cette batterie qui serait là-dedans, elle servirait juste à ça. Du coup, tout le monde a une multitude de batteries sur une multitude d'appareils, alors qu'il serait pour moi plus simple d'avoir une seule batterie, et tout le monde dans son téléphone en a un, pour pouvoir après le brancher sur autre chose. Voilà. Donc celle-là, elle marche très bien aussi. Alors, je voulais vérifier que ça marche. Est-ce que ça pompe? Oui, ça pompe. Et ça s'arrête quand c'est plein. Donc tout va bien. Qu'est-ce qui me manquait? Est-ce qu'il manque quelque chose là? Ou c'est pas mal? Le papier toilette. Alors, le papier toilette, ça va être l'étape juste après.
Moi je trouve dommage, on a amené l'eau de pluie jusqu'ici pour l'eau, mais une fois qu'on a fait ses besoins, ça serait assez hygiénique quand même de se laver les mains. Alors du coup, je me suis dit, mais effectivement, c'est pas très compliqué de se laver les mains. Vu que l'eau, elle arrive. Alors quand elle arrive sous pression, c'est compliqué de se laver les mains. Voilà. Mais là, c'est pas très compliqué. Alors, c'est un entonnoir avec un dessous de plat. Hein. Ça m'a. C'est certainement chinois quand même. Hein. Alors on a un problème, c'est que j'avais pas beaucoup d'eau, donc il faut que je retransvase de l'eau à l'entrée. Voilà, donc l'idée, on fait ses besoins, on tire l'eau. Et après, on se lève, on a le temps, on peut se rincer les doigts, sans problème. Du coup, la question arrive, le papier toilette. Alors, effectivement, alors le papier toilette, on continue à s'en servir. Mais pour tous ceux qui font ça, il faut que ça s'arrête, c'est bon. C'est bricolé vite fait, normalement j'aurais dû mieux le coller. Hein. Mais pour tous ceux qui font ça avec une bouilloire, ils considèrent que s'étaler le caca avec du papier toilette sur les fesses, c'est pas très hygiénique. Voilà. Mais c'est une histoire de mentalité. Moi je trouve que le papier toilette, il faut sans arrêt en acheter. Souvent il est rose, il est parfumé, pour un peu qu'il soit emballé dans du plastique. On n'a pas le choix, parce qu'on ne peut pas l'acheter en vrac, ni la feuille à l'unité. Les magasins, vu le volume que ça prend, des camions qui transportent finalement pas tellement en poids, qui, je ne sais pas d'où ça vient, et puis c'est stocké dans les magasins, donc ça prend de la place, c'est climatisé en été, chauffé en hiver, pour du papier toilette. Du coup, je me suis dit, et la petite douchette, là, est-ce que là, elle est bien ou pas bien? Alors, ah oui, c'est ça. Du coup, je me suis dit, c'est juste que pour le remettre dedans, ça ne serait pas très pratique. Voilà. Du coup, ça, c'est ça, juste un entonnoir. Et alors, comme j'ai gardé le système à l'intérieur, il n'y a plus beaucoup de place dedans. On n'installe pas ça tous les jours, hein. On l'installe une fois pour toutes. Hein. Donc je recommence. On a fini. On tire un peu pour enlever les gros morceaux. Après on prend le tuyau, on met son doigt au bout, ce qui n'est pas très compliqué. On peut se laver devant, ça coule, hein. On peut se laver derrière tranquillement. Alors je rappelle, on se lave, on tient le tuyau avec la main droite et on se lave avec la main gauche, ce qu'on a tendance à oublier. Et après, on remet le doigt et on remet dedans. Et alors, une fois qu'on a fait ça, bien évidemment, pour... Non, il faut toujours un peu un petit gag. Et il faut toujours avoir une petite serviette pour s'essuyer. Et bien évidemment, c'est des serviettes individuelles, parce que peut-être madame et monsieur n'ont pas envie de partager la même serviette pour s'essuyer les fesses, ce que je comprends très bien. Et justement, j'étais là pour en parler, parce que c'est quelque chose qui est assez tabou et que finalement on aborde assez rarement. Donc voilà, j'ai fini pour la partie pratique.
Thank you.